site internet normandie.france3.fr. Cette année, Rouen accueillait la deuxième édition du Carrefour des déchets au Parc des Expositions, un rendez-vous annuel mis en place pour créer des synergies entre les acteurs du secteur avec un objectif, rendre nos poubelles moins imposantes et surtout plus vertueuses. Les explications avec Félix Bollez et Stéphane Lotte. En charge du traitement des déchets dans sa communauté de communes, cet élu veut favoriser les bons réflexes sur son territoire, notamment en matière de compostage. Le geste de l'alimentation, c'est un triptyque, nourrir les hommes, mais qui doivent avoir le rôle de nourrir la terre, qui viendra nourrir les plantes pour que le cycle soit fermé. Ici, il vient glaner des conseils et des outils pédagogiques auprès de cette association spécialisée dans la gestion des biodéchets. Je vois au sein de la communauté de communes, depuis que l'on crée ces composteurs, on a réduit nos déchets de 17%. Depuis le 1er janvier 2024, les collectivités territoriales sont tenues de donner la possibilité aux particuliers de trier leurs déchets alimentaires. En France, ils représentent un tiers du contenu de nos poubelles. Pour les valoriser, les vers de terre s'avèrent être de précieux alliés, quel que soit notre habitat. L'avantage, c'est que ce matériel peut être tout à fait adapté aux personnes qui n'ont pas de jardin, puisqu'un composteur en bois ou en plastique, on va plutôt le mettre directement sur le sol, alors que là, un balcon, un garage, une cave peut tout à fait correspondre au lombricompostage. Jusqu'alors, la production de déchets baissait de 1% globalement par an. Et là, depuis un an, on sent vraiment une cassure. On a baissé l'année dernière la production des déchets d'ordures ménagères de 5%. Donc ce que l'on espère, évidemment ce à quoi l'on travaille, c'est que cela puisse se poursuivre. Pour cela, il faudra favoriser le recyclage des déchets en verre, qui représentent encore 50% du contenu de nos ordures ménagères. 96 à 46, le parquet du Kind Arena a vibré.